On va préparer. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai promis à ma fille Colette, celle qui est à Port-Villa, de venir ici pour qui c'est. Voilà Colette qui est de Port-Villa. Oh Colette et Jacqueline de Fontainebleau. Vite, vite, Jacqueline de Fontainebleau. Allez. Jacqueline de Fontainebleau. Et puis, je leur ai promis de leur faire une arcida qu'ils mangeaient quand ils étaient petits. Voilà. Avec de la. Comment ça s'appelle? Du bouffi. Du bouffi. Du gros bouffi. Non, mais du safran. Du hareng. Et des œufs. Ça y est, c'est bon là. Et des œufs. On n'est pas sûr d'avoir les œufs. Et il faut faire la petite fontaine. Non, mais s'il n'y a pas. Et on fera le petit creux, la petite montagne. Et la montagne. Voilà. Et là maintenant. Ça y est, c'est. Voilà maintenant. Les deux grands. Iveta qui vient aussi goûter l'acida. Les deux grands-mères vont faire l'acida. Je ne connaissais pas, mais je vais goûter l'acida. Ça c'est pas la photo. Fais acida. Acida. Yvette, elle va manger avec nous. Je fais pas trop piquant parce que j'ai peur. Si. C'est normal, fais normal. Voilà, et on va faire l'acida. Voilà. On a déjà les tomates épluchées à vif. Vas-y. Voilà, épluchées. Vivantes, épluchées à vif. Coupées en petits carrés comme ça. Ouais. C'est loin d'ici. Et tu mets à peu près 6 ou 7. Voilà. Et là, voilà. Écoute, après, qu'est-ce qu'on prend que tu as coupé tout ça. Tu prends un saladier. Dans ce saladier. Je vais chercher le saladier. Voilà. Dans le saladier, tu mets tes tomates épluchées, coupées en petits morceaux, comme ça. Et tu mets une tête d'ail, une demi-tête d'ail, parce que c'est. Une demi-tête d'ail aussi. Non, parce que ça va pas aller avec. Vider avec du carvi, que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est dans le vif. Hein. Où les gens dans un saladier. Pour ne pas te brûler. Pour ne pas qu'on se brûle. Moi, je. Voilà. Pour ne pas qu'on se brûle, on fait ça. Regarde, c'est sympa. Voilà. Maintenant, je vais éplucher une demi-tête d'ail que j'ai coupée, que je vais piler avec du carvi, du sel et l'ail. Je le pile bien et je mets dedans. Bon, alors maintenant, maman, qu'est-ce que tu as fait? Tu as épluché combien? J'ai épluché 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gousses d'ail. Des belles. Mais pour ne pas avoir mal aux hanches, oui, non, tu enlèves. Non, c'est pas fait. Tu sais jamais, tu t'en fous. Non, tu vas pas lui faire ça au cinéma. C'est du cinéma. Elle fait semblant. D'habitude, on s'en fout. Une fois que j'ai épluché, je prends ces gousses d'ail, je les mets dans un pilon avec du carvi que je vais aller chercher. Du sel et du carvi. Voilà, du sel et du carvi. Et je vais aller les porter, aller chercher le carvi. Bon, moi, j'enlève les petits machins pour moi. Ils sont pas bons. Laurence Twitou le fait pas comme ça. Hein. Il faut toujours nettoyer. Oh. Mais Laurence Twitou, c'est pas nous. Ça marque. Hein. Oui, les escargots. Même ça, c'est nettoyé. Pourquoi maman, oui. Tu veux. Non, faut chercher le truillard. Mais dis donc, il est à la dimension. Hein. Alors, ça s'appelle comment ça? Carvi carouilla. C'est ce, à quoi c'est ce qu'elle va mettre. C'est justement ce qui fait que le goût de la. Comment ça? Rachois. Acida. Acida. C'est marrant pour moi. Soit bon. Hein? Alors, on reconnaît le cumin et le carvi parce que voilà, Denise, elle va donner l'explication. Non, je ne donne pas l'explication, c'est la chef. Voilà. Quatre grains comme ça et que tu les écrabouilles. Et que tu les écrabouilles comme ça et qu'ils veulent pas s'écraser. Ils veulent rien savoir. C'est du carvi. Et quand tu les prends comme une femme délicieuse et délicate, tu les écrases. Quand c'est du cumin, ça fond. Ça s'écrase, ça devient comme de la poudre, même en faisant léger. Mais le carouilla, il est très dur. Combien de cuillères à soupe? Alors, ouais. Oh, finalement, il vaut mieux une femme molle qu'une femme dure. Parce que c'est du cumin. Non, quand je dis molle, c'est-à-dire onctueuse, fondante, agréable à embrasser. Elle a dit, c'est pour la postérité. Voilà.
voilà, tu prends à peu près comme ça, tu vois, voilà. Pour cette dose, hein? Pour cette dose. Et combien, pour combien de bouffies? Pour combien de harengs? De personnes? Non, combien de harengs? Non, le harengs, je le dirai tout mais à l'heure. Il y aura combien de harengs pour tout ça? Deux harengs. Deux harengs. Deux harengs. Deux harengs. Et ça sera deux harengs avec un H, donc deux harengs. Mais quand il n'y a pas le H, on dit deux harengs. Et comme il y a toujours un H dans le harengs, alors on ne peut pas dire deux harengs. Voilà, et voilà, la troisième princesse, elle est là. Voilà, tu mets le carvi là-dedans. Voilà. Mais j'ai mis où le carvi là-dedans? Voilà, dans le pilon. Mais quand on n'a pas un pilon, le moulin au café, un moulin à café, on s'en fout. Mais on n'a pas de moulin à café. On a. Faut du muscle. Voilà. Et tu ne mets ton ail que quand ça, c'était pilé à mort. Comme c'est dur, dur, dur. Alors, comme c'est dur, dur, on met un petit poil. Voilà, une cuillère à soupe de sel. Et là, on va tiens, prends une assiette. Voilà. Elle m'a nettoyé mon ail, mais pas tous. Oh, quelle histoire! Non, mais vous allez voir que ça casse pas trop patin canard, mais. Ouais, bah, ils aiment, ils aiment. Ils aiment ça. Combien de sel t'en veux comme ça? Moi, je mange plus d'acide, c'est fini. Non, hein. Parce qu'attends, il le a rendu. Combien de moitié? La moitié, oui. Comme ça? Un peu plus. Oui. Voilà, comme ça. Oui. Voilà. Voilà. Non, hein, c'est une recette, c'est pas une recette. Hein. Alors là-dedans, maintenant, tu t'assieds sur une chaise, tu mets le pilon sur ta cuisse qui est pas malade, comme ça, tu vois. Entre tes cuisses, en voilà, fait. Et tu tapes jusqu'à ce que ça devienne comme de la poudre. Bon, tu vas pas filmer tout le temps. Hein. Alors, vas-y. Quand tu le piles, comme il est dur, le carvi, tu le rentres dedans, tu le fais ça bien comme il faut. Tu sais, comme lorsque tu rentres dedans, bien comme il faut. Il faut à tout prix qu'il devienne comme de la poudre. Mais tu mets pas ton ail avant, hein. Voilà. Dans quelques secondes. Tu veux qu'on te remplace? Je vais te remplacer. Allez. Chaque épice, tu l'as mise. Ah, t'es pas une vraie africaine, hein. Tu nous fais ça à la française. Alors voilà les bouffies. Ah. Je pense que je vais me mettre par terre, ça sera mieux. Mais il y a des voisins? Non, non. Il y a la cave. Alors. Alors. Alors, ça, c'est des. C'est les gens qui font des tests qui vont rien comprendre. J'entends un bruit. Tu prends un bouffi. Ah bah, les appareils qui vont. Tu leur coupes la tête. Ah, mais c'est comme des harengs. C'est des harengs. Ah, oui. Tu coupes la tête comme ça. Ah, oh, on a connu ça. Est-ce qu'ils ont des œufs? J'ai l'impression qu'ils ont des œufs. On dirait qu'ils ont des œufs. Peut-être pas un couille, peut-être pas. Ah, bah, ça sera grâce à Jean-Louis, parce que c'est Jean-Louis qui a choisi. Attends. Ou tu veux des ciseaux? Oui, il y a là-bas, je crois qu'il y a des petits ciseaux rouges. Jaunes. Elles sont belles, mais dis donc, elles doivent être lourdes. Hein. Bon, je ne sais pas s'il y a assez. Ouais. On va voir les œufs, s'il y en a. Ah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais on s'en fiche. C'est pas des œufs, ça. Voilà. C'est de la mais ça, il ne faut jamais, jamais les cuire. Quand tu fais l'acide, hein, tu les mets une fois que tu as préparé l'assiette. Celui qui veut, il prend un petit morceau, le met sur son assiette. Ça se mange, ça? Oui, ah, jamais. De toute façon, le machin, oui. Il se mange cru. Hein. Même la tête, moi, je suce la tête. Ah oui, ça moi aussi. Oui. Voilà, tu prends donc ce harengs. Tu as fini mon curvy? Mon non. Non. Tu veux, oui. Et là, tu coupes comme ça. Tu vois, tu les coupes. Tu les fais des fentes. Voilà. Hein. Alors, on est combien? On est 1, 2, 3, 4. Hein. Je vais mettre encore une autre. Ouais. Qu'est-ce qu'il en prend? Ils sont vides tous? Ils sont vides, maman? Oui, ils sont vides. Non, mais qu'est-ce qu'il va en prendre alors? Jean-Louis, mais... non. Ma mère, oui. Elle va goûter. Claude, oui. Je ne crois pas s'il va goûter, lui. Ah, ben, oui. On a mangé quand on était jeunes. Oui. Tu veux les ciseaux pour la queue? Mais tu vas voir, c'est fait avec un moule. Tu peux, parce que j'ai mal au bras. Attends. Ça colle un peu. Hein. Non, mais attends, Jacqueline. Attends. C'est toi qui m'as dit je prends la queue. Oui, mais je pensais pas que j'allais avoir mal au bras. Tiens, là. Elle est contente, le magasin. Mais c'est fermier, là. Il est au midi. Oh non. Encore deux tours. Bah, ils n'entendent pas. Voilà. Normalement, on n'en fait pas trop parce que c'est très dur à digérer. Maman, on est nombreux. Non, voilà. Non, on n'est pas nombreux, on est nombreux. Non, mais chérie, c'est très fort. Cinq, j'ai acheté des bistecs pour ceux qui veulent pas. Claude. Voilà. Maman, elle n'en mange pas. Quatre. Voilà. Alors, ça, c'est pour combien de personnes? Pour cinq. 6 personnes. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Mettons 8, mettons 9. Et donc, un morceau par personne, voilà. Ça suffit. Mais normalement, même la moitié, ça suffit. C'est juste pour parfumer. Hein?
Voilà. Alors, Manarque, elle a pris. Voilà. Maintenant. Nous, on l'aime bien. Un morceau, c'est bon. Pas une moitié. Montre-lui à ta soeur comment elle met la poudre. Tu vois? Ne filme pas mes ongles, hein. maintenant, on met l'ail qui a été nettoyé. Hein, tout ça le ventre, hein. Il n'a pas été nettoyé. Pas grave. C'est bon. Et là, tu repiles encore. Alors, là, tu mets l'ail dans le pilon et tu piles. Merci, j'ai été. Voilà. Je range tout ça. On aurait pu mettre un morceau de musique africaine, hein. Pour le pile-pile. Hein, ouais, madame qu'est-ce que tu vois, pour la jupe blanche que j'avais en safari. Ouais. Mais au moins, j'en ai pas dans. Alors, maman, tu nous montres la pâte. Non, c'est bon. Ouais, ça fait une croix. Je prépare comme ça. Après, tu le feras. Bon, alors, là, voilà. Voilà. Ça, c'est la pâte réduite d'ail, carvi. Et sel. Quand elle est devenue comme tu vois là, à ce moment-là, tu mets à peu près la moitié d'une cuillère à soupe d'harissa. Mais pas plus, hein. Après, tu prends tes piments. Tu la regardes. Tu vois, tu prends tes piments. Parce que comme on a des ça, c'est des piments forts, hein. Oui, des bouches sucrées, tu leur enlèves ça, tu vois. Maman. Il est autrichien. Eh oui. Voilà, tu leur enlèves leur nerf, tu vois. Pas tous, hein. Oh oui, on les fait à tous. On sait jamais tout ça. On tombe sur un. On rajoutera de la rissa, c'est pas grave. C'est, voilà, si c'est pas assez fort. Ce qu'il faut, c'est le parfumer. Hein. Tu veux des cacahuètes? Voilà. C'est pas bien. Hein. Les pistaches ou les cacahuètes? Oh, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être tous ensemble. Juste un chat, un petit bout. Voilà, c'est bon. Je vous redonne les plateaux. Hein. Voilà, c'est, et toi aussi, tu en vas faire ensemble. Jacqueline, elle s'est mise dans le contre-jour. Voilà. Non, viens là, Colette. Jacqueline, viens là. Ah, maman. Ma petite maman. Oui. Voilà. Il faut surtout enlever, hein. Il ne faut pas avoir peur. De toute façon, ça donne mal au ventre. Ça ne sert à rien. Si on veut que quelque chose qui soit un petit peu fort, même tout petit peu d'harissa. Parce qu'à l'harissa, j'ai des piments, je leur fais pareil. Je leur fais leur fête. Leur alors c'est une crudité quoi, enfin. Pas du tout, ça va être super cuit après. C'est, ça va cuire là. Ça va être tout mélangé. Tout ça, ça va être cuit. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu vois, les piments sont tous épluchés, nettoyés, propres. Voilà, dans une poêle, alors maintenant on va malaxer ça. Oui, je malaxe toujours avant pour ne pas recevoir tout dans la figure. Tu vois. Voilà. Ma chérie, je voudrais... Parce que j'affirme qu'elle va voir chez elle va nous voir. Ah oui, c'est vrai, elle va l'emmener avec elle. Et puis, comme on va faire pour tout le monde. J'en ai à côté, là. Non, lui, là, c'est elle, là, c'est elle pas va faire un zoom, un, comment ça s'appelle, hein. Ah oui. Panoramique. Un panoramique, elle fera ceux qui... Je ferai la brochette. Ceux qui sont présents et voilà. Témoins, c'est les témoins. Alors là, tu as tout mélangé. J'ai mélangé, donc, l'harissa, le carmi, le sel et l'ail, et les tomates que j'ai épluchées à la main. Avec amour et à cru. Avec quoi? Amour et cru. Vivante. Et vivante. Voilà. Je voulais que tu le répètes exprès pour que ça sorte. Avec amour et cru. Donc, ta sauce, elle est là, elle est prête. Hein. Ouais. Maintenant, tu as coupé donc tes harengs, morceaux de hanche. Là, tu as enlevé tous les nerfs. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller à la cuisine et préparer la sauce. Ça filme, non? Alors, approche-toi parce qu'il faut mettre du beurre. Tu as besoin du torchon? Non. Je le mets là parce que le torchon, c'est pas joli. Oui. Alors, dans une poêle, vous voyez. Hein, je mets de l'huile, mais pas des kilos et des kilos. Tu vois, à peu près 3 cuillères à soupe d'huile. Pas plus. Et de l'huile d'olive, hein. Ah, faut d'accord. Pas avoir peur, voilà. Tu mets ton huile d'olive. Et surtout, tu allumes ton feu. Alors, attends, voilà. Vas-y. Tu allumes ton feu sur un feu pas fort. C'est bon, vas-y, maman. Ok. Ah, j'attends plus le chauffe. Première. Non, on est Eugénie en cuisine, première. Là. Ouais. Eugénie. Et les petites sœurs. Et les sœurs. Clap de. Et toi aussi. Attends, alors, le hareng, tu vois, ça a l'air d'être une affaire d'état. Hein. Pour ne pas que le hareng t'éclate dans la figure, parce que quand tu le mets dans l'huile, il va sauter, tu l'ouvres comme ça. D'accord, tu ouvres la peau comme pour, comme pour un fruit. Ça sert toujours. Non, c'est pas de la circoncision, ça. C'est pas le goût, ça. C'est pas la quiquette, non. Ah,
Si, si, c'est marrant, c'est marrant. Tu vas couper, hein? Si, si. Non, il faut pas. C'est pas un gros mot. Pas grave, ta mère a dit n'importe quoi. La chichoulette. La chichoulette. La chichoulette. La chichoulette. C'est plus joli. La jolie quiquette qu'on a envie d'en mettre. Ah, là, c'est vilain. Ah bon? Je parle des bébés, je parle pas des hommes, des hommes. Non, il y a qu'au bébé qu'on a le droit de voilà. Faire ça. Voilà, alors, tu les as fendus donc, maintenant mon huile est fendue. Fendue, pas pendue. Fendue. C'est mon bridge. Laisse-le. Ça, je laisserai, hein. Non, il y a voilà. Des trucs trop drôles. Voilà, tu laisses rien. Voilà. Elle était pas chante en hein. Ton huile, hein. Qu'est-ce qu'elle a? Chance d'être comme ça à 84 ans, je vais dire, attends, 86, 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
pour faire la tu prépares l'eau pour le semoule. La semoule, voilà. Alors, je sais pas dans quel moment. Denise. Oui, maman. Oh, ça va faire trop, puis c'est pas grave. Bon. Voilà, tu mets 1,5 litre d'eau dans ta cocotte. Et tu forces ton feu. Et tu mets un petit peu de sel. Voilà. Ça, c'est pour la préparation de la semoule. Pour faire la semoule. Et voilà. Ça sera quoi, de la semoule fine? Moyenne. Moyenne. Voilà, là, voilà, elle est là. Non, que je trouve. Voilà. Donc là, c'est de la semoule moyenne. Tu prends de la semoule moyenne, comme ça, dans du papier. Attends, plastique. Voilà, je photographie. Panzani, publicité voilà. Garantie. Elle est superbe, la qualité, la marque, on s'en fout complètement. Mais voilà, ça nous rapporte. C'est bien. Moyenne. Dès que l'eau a bouilli. Tu mets 1,5 litre d'eau et tu mets une poignée de sel, pas beaucoup, hein, une grosse cuillerée à soupe. On a vu, j'ai vu quand on a mis. Voilà. Et quand ça bout, ouais. Il faut aller très très vite. Tu verses et tu remues jusqu'à ce que ça devienne comme d'un. Alors, comme tu reviendras. Comme la polenta. Comme la polenta. C'est comme si une polenta. C'est une polenta. C'est pour ça que je voudrais qu'on mette la table, parce qu'on va servir tout de suite. Hein. D'accord. Allez, mon appareil. Allez, vas-y. Alors, l'eau bout. Attends, l'eau bout. L'eau bout. Voilà, ouais. L'eau bout, très bien. Et maintenant, tu verses doucement, à peu près la moitié du paquet, hein, pas plus. D'accord. Et avec ta main, c'est comme une polenta, comme la polenta. Tu tournes, hop là. Si tu allais moins vite, ce serait mieux. Voilà. Et il faut que tu touilles tout le temps? Tout le temps. Jusqu'à ce qu'il colle. Jusqu'à ce qu'il devienne, soit épais. Voilà. Donc c'est la moitié du paquet. Trois quarts. Enlève quand même, maman, je regarde. Vas-y, je crois que je vais le mettre tout. Hein. Vas-y, bah alors, voilà. Pour 1,5 litre. Hein. Ouais, 1,5 litre d'eau, un paquet, 1 livre de semoule fine. D'accord. Voilà. Non, moyenne. Moyenne, la semoule. Ouais. Semoule moyenne, qualité supérieure. Waouh. Ouais, ça y est, c'est noté. Allez, voilà. Tu touilles. Et maintenant, tu forces ton feu. Ouais. Et t'as mis du sel? J'ai mis du sel. Oui, on a vu quand t'as mis voilà. Du sel. Et tu tournes jusqu'à ce que ça devienne dur. J'espère que j'ai pas mis trop d'eau. On va laisser réduire. Mais ça m'étonnerait, il va réduire. Bon. Hop. La farine lactée. Je mangeais une grosse cuillère à soupe avant de mettre dans la casserole pour moi. Ben c'est bien, ça te donne des forces. Oui, bah. C'est ça le secret de ta jeunesse. Hein, c'est peut-être ça le secret de ta jeunesse. Ne sauve pas, Jacqueline. Tu vois, ça devient de plus en plus épais, regarde. Mais il faut qu'il soit dur. Hein, vas-y, soulève encore un coup, voilà. Parce que je ne l'ai pas filmé, évidemment. Voilà, il faut que ce soit dur. Hein. D'accord. Et après, c'est très, très épais. Ah oui, pour on mette les mains dedans, ouais. C'est pour faire le... Tu prends un bol avec de l'eau pour ne pas te brûler. Tu trempes tes mains et avec tes doigts, tu mets la forme. Tu mets la forme. Tu m'apportes un plat, une assiette creuse. Maman, je t'ai cassé un plat. Voilà. Pour mettre les doigts. Mais un bol, il y en a là. Ouais, ça explose comme un volcan. Voilà. Il faut faire très attention de ne pas se brûler. Il ne faut pas s'approcher sans qu'il gicle comme ça. Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Il faut un bol. Enlève ta main, je regarde. Voilà. Donc tu prends un bol avec de l'eau et une assiette creuse, Jacqueline. Et une assiette creuse. Voilà. Une petite ou une grande? Une grande. Celles qui sont à table. Voilà, tu vois, tu t'éloignes, hein, parce que ça, c'est pas la peine de le prendre à la figure. Voilà. Tiens. Et après, tu m'apportes toutes les assiettes parce qu'il faut les servir pendant que c'est chaud. Voilà. Dans 2-3 secondes, Tu verses dans les assiettes et avec les mains, tu fais tout de suite le creux. Je fais mon petit creux, mon puits. Et maintenant, on est combien? Photographe en mes 5. Parce qu'on n'est pas 8 à manger. En fin de compte, ça prend plus de temps qu'un couscous, ça. Voilà. Il en mange, Claude? Mes en 5, là, tu me fais là. 2 et 3, 5. Ouais, c'est bien. Allez, c'est avec 5. Mais moi, je me rappelle de ça quand tu le faisais dans un truc où il y avait le trou au milieu. Eh ben voilà, on va le faire. On va le faire le trou. Ah, ah, Jacqueline, regarde. Non, mais c'était pas le gâteau. Tu fais ça, tu prends. Ouais. Tu verses. Ah, d'accord. Et c'est après que ça durcit que tu fais le trou. Voilà, comme ça. Et avec ta main, tu fais ça. Attends, il faut que c'est vraiment le. Tu te rappelais plus de ça. En fait, tu croyais maintenant que c'était un gâteau. Maintenant que je le vois, tu te rappelles. Voilà. Je me rappelle. Voilà, avec les mains, sans vous brûler, tu mouilles un peu et tu fais le creux pour qu'on mette la sauce. Attends, on va attendre que ça ne brûle pas et toi, tu le feras au moins pour une fois qu'on le voit. Ouais. Non, mais peut-être pas trop. Non, justement. Il en reste. Non, il en reste, ça va. Ouais, tiens, ne te brûle pas les mains, voilà, il y a de l'eau, maman. Si tu dois mettre tes pouces dedans. Alors, on fait. Oh là là, ouais. Alors on fait ça. Voilà, c'est ça. Mais bien. Non, il faut bien mettre la main. Chaud, hein.
Bon, il faut c'est attendre. Très attendre, attendre. C'est pas urgent. Ça, plus ça refroidit, plus c'est meilleur. Et ça, c'est fini, c'est clair. Il en manque encore un peu, là. Non, ça y est, on a une sale casquette. 5, c'est bon. Non, mais pas plus, hein, c'est bon. Voilà, c'est bon. On va attendre que ce soit un peu frais. Voilà, merci. Allez, je regarde comment tu fais. Fais cela. Tu prends ça et tu fais ça. Comme, ouais. Et avec ta cuillère, après. Il faut ouvrir le couvercle de la casserole. Là. Tu vas te brûler, maman. Voilà. En fait, c'est facile à faire. Oui, maintenant, enfin, il faut recul. C'est le recul. Ouais, c'est facile, mais c'est quand même. Il faut s'organiser. Hein. Alors, chacun, tu leur prends un petit peu de ça, comme ça. Et si tu es trop chaud, tu fais ça. Tu vois le fameux trou de. De voilà. Quand je dis faites votre trou, rappelle-toi quand vous étiez. Ouais, nous, là, le trou. Même pour le couscous, tu fais ouais, toujours. Ça. Voilà, chaque assiette, tu vas la porter. Alors, je mets. Et je leur dis de s'asseoir. Voilà, qu'ils s'assoient et qu'ils mangent. Il faut le manger chaud, hein. Allez, voilà. Ils prennent un peu de pâte et un peu de sauce. Voilà, voilà. Après, on va faire cuire la viande aux hommes. Après, s'il reste de la sauce, on rajoute. Oui, comme tu dis, c'est assez. Merci, chérie. Je peux mettre les piments aussi pour ceux qui veulent. Bah oui, de toute façon, ceux qui n'en prennent pas, ils les donneront à leurs voisins. Voilà. Ah ouais. C'était ça, hein, Jacqueline? Oui, maman. Oui, bien sûr, maman. Il n'y a pas de problème. Moi, je faisais en Tunisie, je mettais mes mains dedans, j'avais 20 ans. Quand je pense des fois, je me dis comment j'ai faisais. J'étais jeune, j'avais la jeunesse, j'avais la paix, j'avais la santé. Mais tu as encore la santé, oui. Tu as encore la jeunesse. Oui, oui, oui. La alors, jeunesse, oui, 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 non, non. On en a l'eau à la bouche. J'espère que vous allez aimer. Oui, oui. En tout cas, vous avez vu ce qu'on a mis des bonnes choses. Hein. Là, reprends des assiettes qui n'ont pas trop de sauce, tu ramènes.